Perquisition ce matin chez les dirigeants et un certain nombre de militants des deux organisations dissoutes hier par le gouvernement, la Ligue communiste et Ordre nouveau. C'est la conséquence de l'information judiciaire ouverte après les échauffourées du 21 juin. Une soixantaine de perquisitions ont eu lieu, on n'en connaît pas encore les résultats. Pour les dirigeants de la Ligue communiste, comme pour ceux d'Ordre nouveau, cette dissolution est injuste et sans portée véritable. En fait, que signifie exactement la dissolution d'une organisation politique? C'est ce que Jacques Hébert a demandé à Maître Lombard. Il s'agit en réalité d'une véritable mort civile. Autrement dit, les associations qui ont été frappées de la mesure en question ne peuvent plus avoir de siège social, elles ne peuvent plus participer à des manifestations officielles ou non sous leur sigle, elles ne peuvent plus avoir de patrimoine et, bien entendu, toute activité politique leur est interdite. Sur leurs biens, la loi prévoit la mise sous séquestre et la liquidation de ces biens par l'administration. En outre, les insignes, les armes, les drapeaux, tout ce qui peut servir à la vie publique d'une organisation politique sont confisqués au terme même des dispositions de la loi. Nous parlons dissolution, mais on pense tout de suite à la reconstitution. Alors, qu'est-ce qui est prévu en cas de reconstitution? Est-ce qu'un mouvement dissous peut, le lendemain de sa dissolution, se reconstituer sous un autre nom avec la même organisation? La mort civique a ceci de différent avec la mort tout court, c'est qu'elle permet la résurrection. Il est certain que des associations dissoutes vont avoir une tendance naturelle à se reconstituer. Le législateur l'a prévu. Et il prescrit des peines pouvant aller jusqu'à 2 années d'emprisonnement dans le cas où des membres d'une ligue dissoute voudraient se reconstituer à nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de tourner cette loi? Ne comptez pas sur moi pour vous les indiquer, en tout cas. Ceci dit, les moyens, vous les comprenez facilement, c'est reconstituer au sein d'une ligue nouvelle avec un nom nouveau les anciens adhérents, mais attention, dans la mesure où ces ligues feraient cette sorte de processus qui leur vient naturellement à l'esprit, le législateur pourrait les poursuivre devant la Cour de sûreté de l'État.